Et bonjour, donc nous voici encore une fois pour un jeu de cartes, donc le Bicycle Rainbow. Alors là, par contre, il va bien porter son nom, lui, parce qu'effectivement, il est vraiment Rainbow dans tous les sens. Allez, c'est parti. Donc la face de l'étui. Voilà. Le dos de l'étui, donc il n'y a rien à voir avec les dos, bah, le dos des cartes à l'intérieur, hein, c'est juste le dessin, la continuité du dessin. C'est effectivement ça, la continuité du dessin. De ce côté, pas eu le temps de voir. D'accord, ok, United States, carte, compagnie. Et de l'autre côté, le truc qu'on a l'habitude de voir, Air Ketchum Finish, Made in USA. Et voilà le dessous de l'étui. Et Donc, voyez, voilà. 2500 C'est exemplaires. ça. C'est noté ici aussi? Non? C'est ce que Ah, mais je m'en rappelle. D'accord, ok. Donc, c'est une édition limitée. C'est pas marqué dessus, mais tu dis qu'il n'y a que 2000, 2500? Oui. D'accord, 2500 exemplaires. Allez, est-ce que c'est marqué ici? Non. Donc déjà, pourquoi Rainbow, hein, on a compris que quand on ouvre le jeu, voilà, déjà on voit tout de suite pourquoi. On est sur un jeu Rainbow. Alors dommage que ce soit pas ça. Ça, c'est... Alors c'est pas le Joker, hein, c'est les cartes... voilà, si je les mets ici. Ça forme quoi d'ailleurs? R1, non. R-A-I-N, Ren. Ah ben Ren. Ah oui, Rainbow, d'accord. Je l'avais pas vu. Décidément, vous allez dire, je suis aveugle. Mais on a effectivement bien le R, le A, le I, le N et B-O-W, Rainbow. Voilà. Donc comme je dis, et je les découvre en même temps que vous les jeux, hein, donc parfois il y a des choses que je peux louper. Donc ben là voilà, hein, ça parle, pas besoin de dire grand chose. Hein. Dès qu'on le voit, ça parle de lui-même. Quand on l'étale, on a ce dégradé de couleur, donc qui est très beau effectivement pour une finale de quelque chose, pour de la cardisterie, pour faire un change de jeu. Si on utilise des trucs comme ça, c'est très très beau parce qu'il y a plein de couleurs partout. Donc bien sûr c'est la même chose autant d'un côté que de l'autre, hein. On pourrait penser que ça change. Au niveau des éventails, ben, c'est sûr qu'on a ce truc-là. Allez, si je le fais un petit peu plus serré, voilà, pour qu'on voit comme ça, on a ça. Voilà, si je fais de l'autre côté, ça change pas non plus. On est sur la même chose. Et bien sûr, idem pour les faces. Si je fais ça, on est sur cette vision là, donc c'est très beau, c'est sûr que c'est vraiment très très beau. Si je fais dans l'autre sens, on voit pas les index, mais du coup on va voir que les couleurs, donc c'est limite encore presque plus joli. Et voilà, si j'étale les faces, eh bien on voit ça. Alors ce n'est pas un jeu asymétrique. Ce n'est pas un jeu marqué, même si effectivement, on a compris que si on connaît le code couleur des cartes par cœur, forcément, on devine la couleur. Hein. Petit exemple, hein, on voit bien que, à part pour le carreau, voilà, le carreau, on est sur cette partie de colorimétrie. Donc, si on apprend le jeu par cœur et qu'on prend la carte la jaune la plus claire, eh ben, on sait que c'est le 2 de carreau et ainsi de suite. Hein. Donc, si vous avez le coup d'œil. Et que vous vous rappelez des codes couleurs, ben vous savez automatiquement quelle carte qui a été choisie. Je dis ça, bon, c'est gros bien évidemment, mais c'est faisable. Donc de très loin, vous faites choisir une carte, il la prend, ben forcément, si vous voyez, vous savez ce que c'est. Ben, bien évidemment, c'est téléphoné, mais ça peut servir et peut-être que les gens n'y pensent pas. Voilà, donc on est sur du design bicycle de base, hein, au niveau des dos. Donc ça. Voilà, c'est rien que je les montre, hein. On est sur le bicycle classique. Et on va montrer les cartes une par une. Donc les deux jokers, qui sont donc identiques au niveau du design, mais différents au niveau de la couleur. Et
C'est parti. Allez, l'as de pique, rien de particulier. Et puis les cartes. Bon, ben là, je vais les montrer rapidement, mais on voit bien que la couleur évolue à chaque fois que je passe les cartes. Hein. Bien dû se faire chier pour l'imprimer celui-là de jeu. On va faire des colorimétries différentes à chaque fois. Hop là, je vais un peu vite, non? Voilà, l'as de carreau ici. Hop. Allez. Donc les cartes sont très visibles hein, puisque forcément le fond est uni à part sur celui-là qui est un petit peu plus clair. Mais comme on est de la carte blanche sur un fond qui est totalement uni, ben, c'est sûr que ça se voit. Hein. Là on est sur du bleu roi, sur du bleu lavande. Et l'as de cœur. Bon, pour ceux qui aiment les jeux originaux, c'est sûr que là, effectivement, c'est sympathique. Voilà. Donc ça, c'était une présentation du jeu Rainbow.